Au Soudan, les armes ont à nouveau parlé pour museler la contestation qui a soulevé Khartoum et d'autres villes du pays tout au long de ce week-end. Plus de 10 000 manifestants se sont réunis devant le quartier général de l'armée pour tenter de rallier les troupes à leur cause, demander le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 3 décennies et l'instauration d'une période de transition. Le bilan s'élève à au moins 7 morts, 6 dans la capitale soudanaise et 1 dans l'état du Darfour. Mais au cours de ces derniers mois, la répression aurait fait une 60aine de victimes, selon l'organisation Physicians for Human Rights. D'après le ministère de l'Intérieur, près de 2500 personnes ont été arrêtées en marge des rassemblements qui se poursuivaient ce lundi.